Expérimentation sur l'attraction des gamètes. Première expérience, sur une lab, deux gouttes d'eau. Dans la goutte d'eau numéro 1, des ovules de l'espèce A. Dans la goutte numéro 2, des spermatozoïdes de l'espèce A. Visualisons. Observons le comportement des spermatozoïdes. Expérience numéro 2. Goutte d'eau numéro 1, que de l'eau. Goutte d'eau numéro 2, de l'eau et des spermatozoïdes. Observons. Observez bien le comportement des spermatozoïdes. Troisième expérience. Dans la goutte numéro 1, des ovules d'une espèce B. Dans la goutte numéro 2, des spermatozoïdes de l'espèce A. Observons. Que peut-on déduire de tout cela? Si les spermatozoïdes se déplacent vers la goutte d'eau contenant les ovules de la même espèce, c'est probablement parce qu'ils sont attirés par ces ovules. Les deux autres montages confirment que les spermatozoïdes tourneront si l'autre goutte contient soit des ovules d'une autre espèce, soit uniquement de l'eau.